Voilà, de retour sur coderevision.fr. Je vous rappelle que n'hésitez pas à aller sur la page YouTube car nous avons des coupures. Et là, dans quelques instants, on va voir la démonstration toujours sur le parking de Leclerc Caudry. Eh bien, nous allons voir la démonstration d'un accident avec une moto. Vous allez voir, ça commence avec, bien sûr, dans quelques instants aussi, l'arrivée des pompiers. Voilà, c'est dans quelques instants maintenant. Oh, mais là, c'est de l'arrêter. Bah ouais. Non, je dis que c'est malade. C'est normal, les doigts polymés. Bah si. Bah regarde, il n'y a pas de voyant. J'ai la 4G, donc logiquement tu peux aller là-bas. Ah, ce soir, c'est vrai. Ouais. Ok, Kevin, relève-toi, c'est bon. Hein. Je vais venir, la vidéo est finie là. Ouais, plus de moto. Bah là, non. Kevin, tu m'entends? Ouais. Je suis paraplégique. Le conducteur de la cité de Montbéliard et de Vautour
Malheureusement, pour la victime, il va falloir la conditionner. Vous avez bien vu le vol plané de la victime, il va falloir qu'on la conditionne. Quand les secours vont arriver sur sans la bouger, sans la manipuler. Là, on devra certainement la retourner, devoir soit découper ses consistera surtout à sauvegarder l'axe tête-coutron. Nous allons vous rappeler quelques règles élémentaires pour la circulation et la sécurité pour les scooters, les motos. Donc vous avez pu voir la violence du choc à 50 km/h entre un cyclomoteur et un deux-roues motorisé. Et un véhicule 4 roues. Comment cet accident s'est produit? Plusieurs facteurs. Certains diront que c'est la fatalité, c'était le coup du destin. Pas forcément. Si on adopte les bons comportements pour avoir une conduite sécuritaire, on aurait pu éviter ce type d'accident. Tout d'abord, l'usage du téléphone portable au volant. Qui n'a jamais vu d'automobiliste conduire avec un téléphone à la main? D'accord? Pas forcément l'avoir à l'oreille. Quand on dit usage du téléphone, ce n'est pas forcément l'avoir à l'oreille, tenir une conversation. Mais comme ici pour le scénario, manipuler le téléphone pour écrire un SMS. Je rappelle que l'usage du téléphone, c'est-à-dire téléphoner au volant, multiplie par 3 le risque d'avoir un accident de la circulation routière. Et lire ou taper un SMS, ce risque est multiplié par 23. 23. Donc l'usage du téléphone, ça rassemble plusieurs sources de distraction. La distraction auditive, bien sûr, on se focalise sur sa conversation. La distraction visuelle, on regarde l'écran. La distraction cognitive. Alors, je vais maintenant vous présenter l'histoire de Maxime et Julie. Maxime, il est étudiant en fac de sport et Julie prépare le concours de l'école de l'air. Il rentre d'une soirée bien arrosée. Maxime, il est au volant. Julie, elle est à ses côtés. Et Julie ne met pas sa ceinture parce que c'est pas utile, ils habitent à 2 km. 2 km, c'est pas grand chose, alors je mets pas la ceinture. Ils arrivent à hauteur d'une intersection marquée par un panneau stop. Maxime ne fait pas vraiment gaffe, il est un peu fatigué, et parce qu'il a bu un peu, et parce qu'il est tard. L'ambiance est plutôt festive. Il a l'habitude de passer par ici à 7h, mais il n'y a pas grand monde sur la route. Alors on n'est pas vraiment concentré sur sa conduite. Malheureusement, une voiture arrive sur sa droite et elle percute de plein fouet. Le choc va avoir, comme tout à l'heure, lieu à 50 km/h. Il y a tout le monde avec ses portables vidéo et tout.
le temps de mettre en place la situation. Voilà. Notre victime est en place. Donc, suite à l'accident, les secours vont intervenir. Les accidents de circulation. Nous avons plusieurs engins au départ. Le premier véhicule sera un VSAV, un véhicule d'assistance et de secours aux blessés. Dite l'ambulance. Elle sera suivie ensuite du VSR, véhicule de secours routier. Les premiers secouristes sapeurs-pompiers présents feront l'abord de la victime. Le sapeur-pompier lui demande, rentre en contact avec lui pour déjà vérifier sa conscience, mais lui se fige face à lui pour éviter que la victime ne tourne la tête et aggrave son cas. Un personnel sapeur-pompier lui fait désormais un maintien de tête. Vous avez pu voir dans ce choc qui a été assez violent, imaginez-vous le choc plus la rotation du véhicule. Si cette personne n'a pas la ceinture de sécurité, elle ne sera pas maintenue. Heureusement, dans les nouveaux véhicules, avec la présence d'airbag latéral et airbag frontal, vous êtes le conducteur et les passagers sont beaucoup plus en sécurité. Mais comme nous faisons l'abord de la victime, nous devons nous assurer du maintien axe tête-coutron. Lors de ces accidents de circulation, quelle que soit aux vitesses, les conducteurs ou passagers sont incarcérés ou éjectés. S'ils heurtent des piétons, les piétons seront heurtés, projetés, écrasés. Suite à ce choc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les sont éjectés aussi et parfois incarcérés sous des obstacles. Il faut prendre en compte aussi l'autre véhicule qui a percuté cette voiture. Bien sûr, nous faisons une simulation sur un véhicule, mais nous n'oublions pas les passagers de l'autre véhicule. Il faut savoir que quand un corps est stoppé, l'énergie cinétique augmente le poids des organes. Un cerveau de 1,5 kg pèse 38 kg à 90 km/h. Donc, arrachement de tous les vaisseaux sanguins des capillaires avec hémorragie interne. Un cœur qui pèse 300 grammes. Un cœur qui pèse 300 grammes. Rien. Pèsera 7,2 kg à 90 km/h. Le véhicule qui est arrivé est un véhicule de secours routier. Il permet d'effectuer différentes missions d'intervention. L'éclairage, il est doté de matériel de forcement. Il permettra aussi de baliser la zone d'intervention. Il mettra tous les intervenants en sécurité. Les intervenants sapeurs-pompiers, gendarmerie, voire SANEF ou police, mais aussi de sécuriser la zone d'intervention pour éviter un suraccident. L'équipe VSAV sur place pour la victime met en place tout.
tout son matériel permettant de maintenir les fonctions vitales de la victime. Ils effectueront un bilan complet par des palpations, une rentrée en communication avec la victime. Suite à ce choc, la victime, il sera posé un collier cervical qui lui permettra de maintenir cet axe tectocoutron. La personne qui s'occupe de la victime et qui ne la lâchera jamais, on lui donne le nom de l'écureuil, car parfois il doit rentrer dans le véhicule dans des conditions très difficiles. Il faut avoir à l'esprit que suite au choc, lors d'accidents de voiture, tout l'habitacle peut s'écraser, la colonne de direction peut venir compresser la victime, le moteur recule et peut rentrer dans les membres inférieurs de la victime. Il y a des éclats de verre partout, il y a de l'essence qui coule. Donc toutes les précautions sont prises au niveau incendie pour la protection du personnel et de la victime. Vous pouvez voir que le véhicule, le VSR, a déjà commencé à préparer ses outils de forcement. Ce sont des cisailles et des écarteurs hydrauliques qui permettront une découpe adéquate pour pouvoir réaliser la sortie de la victime dans les conditions optimales, toujours dans le respect de l'axe tête-coutron. Durant toutes ces manœuvres, le contact est tout le temps établi avec la victime. Là, vous pouvez voir, ils effectuent le calage du véhicule. Ce calage est très important car il permet au véhicule de ne plus bouger et de pouvoir réaliser sa sortie dans conditions les plus optimales. Donc, dans le matériel de calage, nous avons des cales, des vérins hydrauliques. Nous avons la possibilité de caler les véhicules sur ses roues. Nous avons la possibilité de caler un véhicule sur le côté, qui est couché sur le côté ou sur le toit. Ensuite, le personnel avise de la manœuvre à suivre pour pouvoir permettre à la victime de sortir dans les meilleures conditions. Le personnel VSR discute avec le personnel de l'ambulance pour pouvoir savoir dans quelles conditions on peut le sortir. Il faut savoir que c'est très complexe. La personne est assise sur son siège. Il va falloir baisser le siège. Il va falloir certainement découper l'habitacle du véhicule. C'est ce qu'ils sont en train de déterminer. Dans tous ces accidents de circulation, il faut savoir que les victimes sont soumises à des traumatismes crâniens, des traumatismes des hanches, du bassin, du thorax, des membres supérieurs et inférieurs. Ils sont soumis aussi aux hémorragies internes et aux traumatismes de la colonne vertébrale, que ce soit le conducteur, le passager ou les passagers, quel que soit leur âge. Il y a autant d'importance et autant de gravité dans un choc frontal ou latéral qu'un choc par l'arrière. Les forces en présence soumettent le corps à des pressions énormes. La colonne vertébrale en est le premier tributaire. Donc là, ils sont en train d'effectuer la protection de la victime afin de permettre la découpe du toit. On va simplifier, c'est ce que nous appelons la césarisation d'un pavillon. Le pavillon est l'ensemble du toit du véhicule. Et nous sommes parfois dans cette obligation de découper le toit du véhicule pour pouvoir sortir la victime. Car nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous les mouvements parasites. Auparavant, bien sûr, le personnel secourisme aura découpé certaines parties des vêtements pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie et pas d'autres fractures ouvertes ou pas de déformation au niveau des articulations. En fonction du nombre de victimes, les secours engagés seront renforcés. Nous aurons toujours la possibilité d'avoir un deuxième, par exemple, un deuxième véhicule de secours routier, et nous aurons autant d'ambulances par victime. Nous avons toujours en support et en renfort
un personnel et des fourgons d'incendie pour avoir un renfort de personnel pour pouvoir permettre bonne sortie de la victime. Durant ces opérations, bien sûr, nous avons un renfort médical, que ce soit chez les sapeurs-pompiers, avec la présence de nos médecins-pompiers ou nos infirmiers-pompiers. Et ensuite sont déclenchées des équipes du SAMU. Là, actuellement, nous sommes en train d'effectuer la découpe du pare-brise. Nous avons des outils spéciaux qui nous permettent de réaliser ces opérations. Les premières opérations de découpage d'écartement de tôlerie vont commencer. Il nous est nécessaire de dégager toutes les parties gênantes à notre manœuvre de sortie de la victime. Nous sommes capables de couper les pédales, de couper le volant et d'écarter les colonnes de direction. Et nous sommes aussi dans la possibilité de sectionner par le bas le véhicule pour le faire plier en deux. Toutes ces opérations de découpage, de ces aspirations sont obligatoires pour nous permettre une très bonne sortie optimale de la victime. Pour les personnes les plus près, vous pouvez entendre les bruits au niveau du travail qui est effectué par les pompiers lorsqu'ils découpent la voiture. Un premier montant a été découpé. Ils vont tourner autour du véhicule pour pouvoir permettre la coupure du toit. Comme vous pouvez le voir, le personnel est doté de ses effets de protection individuelle, casque, gants et lunettes de travail. La personne qui découpe a toujours ses lunettes baissées. C'est pour ça que nous devons absolument protéger notre victime et le sapeur-pompier qui est présent avec lui dans le véhicule, qui ne lâche pas le contact, qui reste en relation avec la victime et qui maintient, qui vérifie constamment les constantes de notre victime. Ils sont à deux à l'intérieur du véhicule. Lorsque les sapeurs-pompiers procèdent à la découpe du pavillon ou de la tôle environnante, le sapeur-pompier à l'intérieur est toujours au courant des opérations qui se déroulent. Dès que possible, bien sûr, la victime sera conditionnée par l'équipe médicale qui aura aussi fait son bilan et lui permettre, par exemple, de moins sentir la douleur ou lui permettre d'être bien conditionné avant son transport en centre hospitalier. Ces opérations durent un certain temps, c'est vrai, mais il faut savoir qu'elles sont faites dans un but unique, de pouvoir sortir la victime, et je le répète, dans les meilleures conditions. Si la personne souffre d'hémorragie, une action aura été réalisée immédiatement. Les fonctions vitales qui sont tout le temps contrôlées sont la conscience de la victime, la ventilation, si elle respire, et la circulation, si son cœur bat bien. Les sapeurs-pompiers sont en train de réaliser tout le nécessaire possible pour dégager les montants tranquillement. Ils sont obligés de découper les ceintures de sécurité, de casser les vitres, d'enlever toutes les matières plastiques qui peuvent gêner à la découpe du véhicule. Nous avons aussi du matériel qui nous permet un déclenchement intempestif des airbags. Et sur certains véhicules, comme sur les nouveaux véhicules style hybride ou avec GPL, toutes les précautions nécessaires sont prises afin d'éviter tout problème. Ces sapeurs-pompiers s'entraînent tous les jours pour réaliser ces exercices sur des voitures qui nous sont prêtées. Et nous étudions lors de nos manœuvres tout le style de véhicule et tout nouveau progrès au niveau des véhicules. Tous les fluides sont coupés, tous les contacts électriques sont coupés.
Donc, essayez d'imaginer quelques instants aussi de vous mettre à la place de la victime, cachée sous sa bâche, qui se demande ce qui se passe, et surtout qu'elle est blessée. Cette victime est choquée, blessée, et bien sûr, elle se demande ce qui se passe. C'est, pour elle, ce temps est très long, mais pour nous, il est nécessaire. Comme vous pouvez le voir, le véhicule ne bouge pas, il est complètement stable, ce qui nous permet une parfaite découpe du véhicule. Donc la victime est tout le temps rassurée par l'équipier sapeur-pompier qui est à l'intérieur avec lui. Les opérations sont toujours rendues complexes par la mise en position du véhicule accidenté, qu'il soit sur le côté ou sur le toit. Imaginez bien par le nombre de victimes dans le véhicule. Généralement, vous sortez le samedi soir, la voiture est pleine. Imaginez-vous un instant que le véhicule a ses 5 occupants. Donc, le tour de découpe du toit est pratiquement terminé. Ils en sont au dernier montant. Et là, les équipiers se sont positionnés pour pouvoir enlever le toit du véhicule. Le toit a été complètement coupé et est enlevé par l'arrière, toujours par l'arrière. Cet espace, ce nouvel espace, va pouvoir permettre à tous les équipiers sapeurs-pompiers de se positionner parfaitement pour réaliser la sortie de la victime. Les montants découpés sont protégés car le personnel va devoir se mettre en position pour exécuter la sortie de la victime. Donc afin de ne pas se blesser, toutes les découpes sont protégées. On peut voir, pour ceux qui arrivent à le voir, le premier conditionnement de notre victime. Elle a un masque sur la tête. Ce masque lui distribue de l'oxygène qui lui permet de compenser au niveau du corps son choc et la perte éventuellement sanguine. Elle a un collier cervical qui lui maintient l'axe tête-coutron. On peut voir qu'un des personnels sapeurs-pompiers ramène une planche jaune. Cette planche jaune va nous servir à sortir, à extraire la victime du véhicule. Et en étant plate et dure, elle va continuer à nous maintenir l'axe tête-coutron et éviter la dégradation de l'état de la victime. Tout le travail réalisé par les sauveteurs ont pour but d'éviter les séquelles à la victime. Les séquelles, bien sûr, concernant la sortie du véhicule. Je ne parle pas des séquelles suite à l'accident. Les sapeurs-pompiers ont préparé tout leur matériel au-delà de la zone, leur brancard, leur plan dur, et vont commencer
à se mettre en position pour sortir la victime. Ils vont se mettre tous autour de la victime, en prenant toutes les précautions nécessaires, un, de ne pas faire bouger le véhicule, et deux, de ne pas bouger la victime. Les seuls mouvements que la victime sentira, ce seront les mouvements de positionnement des mains des équipiers secouristes, afin de le positionner sur le plan dur. Il n'y a jamais de précipitation dans nos actions. Elles sont toujours réfléchies afin de préserver l'état actuel de la victime. Donc je tiens à vous répéter que généralement les victimes, constamment les victimes souffrent de traumatismes crâniens avec ou sans séquelles graves, de traumatismes à la hanche, du bassin, du thorax et des membres inférieurs et supérieurs. Ils peuvent même pendant nos manœuvres de désincarcération souffrir d'hémorragie interne. Ils ont certainement peut-être déjà des traumatismes de la colonne vertébrale et toutes les précautions que nous prenons sont pour éviter l'aggravation de ces traumatismes. Donc nous insistons fortement sur le port de la ceinture de sécurité et de respecter les contrôles techniques qui vous garantissent un état parfait du véhicule. Donc, comme vous pouvez voir, les équipiers sont en train de se positionner correctement. Donc, la difficulté trouve actuellement les pompiers, c'est pour abaisser le siège. Suite au choc, le siège ne peut plus baisser. Nous avons l'obligation de baisser le siège tout doucement pour pouvoir y mettre le plan dur derrière pour sortir la victime. Et suite au choc, on a des difficultés pour baisser le siège, donc on a encore besoin du matériel de forcement de notre cisaille pour pouvoir permettre justement de pouvoir enlever le dossier du siège. Donc vous pouvez voir le nombre d'équipiers nécessaires à la sortie d'une victime. Donc j'insiste encore, vous pouvez voir le temps que mettent les équipiers secouristes pour pouvoir réaliser la sortie de la victime. Ce temps est nécessaire pour vous faire comprendre que lorsque malheureusement on a un accident de circulation, ce n'est pas à prendre à la légère et c'est toujours très compliqué après.
Les équipiers sont en train de procéder à la mise en place de la victime sur le plan dur. Ils le font par étapes, toujours sous les ordres du chef d'agré de l'ambulance. Son état et ses mouvements sont toujours contrôlés par les équipiers. Dès qu'un équipier n'a plus de prise, il le fera savoir et reprendra une nouvelle position et la manœuvre sera arrêtée momentanément. Donc maintenant, les équipiers se placent afin de pouvoir réaliser la sortie du plan dur, chose qui est faite actuellement. Donc la victime a toujours la tête maintenue par un équipier. Les équipiers sapeurs-pompiers vont placer la victime enfin sur le brancard, qui sera oxygéné et dont le nouveau bilan sera effectué par les équipes médicales. Et on peut considérer que la manœuvre de désincarcération est terminée. Phoenix. Bravo. Comment il s'appelle? Romain. Bonjour Romain. Ouais Romain. 1, 2. Je vais demander à Antoine ses impressions. Enfin, bon, t'as pas eu des dommages corporels, tant mieux. Je veux que tu me donnes tes impressions, ce que tu as ressenti durant l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est juste impressionnant, ça tremble, le bruit tout à côté, c'est impressionnant. Est-ce que tu t'es imaginé une seule fois être à la place d'une vraie victime? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est sensationnel. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous tes copains et copines présents sur place? La priorité. Merci, Côté. On peut encore vous remercier, merci. Alors, monsieur le maire, ça vous fait quoi d'avoir cette intervention ici au sein de votre commune? Et ça me fait plaisir parce que c'est important. C'est important pour nos jeunes et puis nos moins jeunes de comprendre que la sécurité, c'est la vie. Voilà, donc je suis très content. En plus, on a du beau temps, on a des visiteurs importants, la personne de monsieur le procureur, monsieur le sous-préfet. Donc, je suis très, très heureux, très fier. Un maire fier d'être caudrésien. Voilà. Merci. Alors, monsieur le sous-préfet, ça vous fait quoi d'être ici à Caudry pour cette intervention avec la gendarmerie et les pompiers? Cette intervention s'inscrit dans le cadre des journées de la sécurité, dont le but est de montrer au grand public déjà le quotidien de la gendarmerie, et puis un côté pédagogique aussi avec les deux dernières démonstrations qu'on a vues, c'est-à-dire une collision entre voiture et scooter, et puis une collision entre deux voitures. On voit une entente avec la gendarmerie et les pompiers, une entente vraiment ensemble. Ah oui, cette entente, elle est complète et je dirais, malheureusement, elle est quotidienne puisqu'ils se retrouvent sur les lieux d'accident et malheureusement, il y a des accidents quasi tous les jours. Donc oui, mais cette entente est tout aussi efficace avec la police nationale. Ils ont des réunions très régulières. Il n'y a pas de souci ici. De temps en temps, on entend parler de guerre de police. Ça n'existe pas dans le Cambrésis. Alors vous, en tant que sous-préfet, vous avez quel rôle? Alors, mon rôle en tant que sous-préfet est d'une part de veiller à l'application de ce qu'on appelle tout le schéma de mise en sécurité, donc d'intervention des équipes, et je suis chargé de pouvoir transcrire les plans sécurité qui nous sont donnés par le gouvernement auprès des forces de gendarmerie et de police nationale. Alors avec le procureur, vous êtes ensemble aussi? Avec le procureur, nous sommes ensemble et nous tenons d'ailleurs des réunions sécurité ensemble. Alors comment ça se passe le jour d'une intervention où on vous appelle? Alors ça dépend, on m'appelle ou on m'appelle pas, ça dépend du type d'intervention parce que je peux pas être appelé tout le temps, mais sur les grosses interventions, oui, je suis appelé. Alors monsieur le procureur, ça se passe comment une intervention ici, un exercice grandeur réelle? C'est exercice grandeur nature, oui. Moi je suis venu à titre amical, dire bonjour à mes amis gendarmes, je suis pas...
impliqués dans l'organisation de ce type d'événements. Puis c'est l'occasion de les croiser les uns et les autres dans un contexte un peu autre que le contexte professionnel quotidien. Donc j'ai été comme spectateur assez impressionné par tout ce que j'ai vu. C'est très intéressant, je trouve. Alors il y a beaucoup de gendarmes, il y a beaucoup de sapeurs-pompiers justement pour toucher le public. Vous, ce serait quoi de dire au public justement ? Alors, au public, leur dire, notamment aux jeunes qui sont là, que c'est des beaux métiers, à toute la population qui est là, qu'il y a souvent, en fait, les gens qui viennent ici, ils ont souvent une relation un peu affective avec la gendarmerie, avec les pompiers, ils viennent voir ce qui se passe, mais ils ont un présupposé très positif. Et ils ont bien raison d'avoir ce présupposé, parce que c'est des très beaux métiers, et surtout une très belle mission. Hein. Heureusement qu'ils sont là, que ce soit les pompiers ou les gendarmes. Vous avez un secteur grand, quel secteur vous avez ? Quel secteur ? Moi je suis compétent sur l'arrondissement de Cambrai, c'est-à-dire c'est le même arrondissement que la compagnie de gendarmerie de Cambrai, que celui du sous-préfet. C'est l'arrondissement administratif. Alors capitaine, ça vous fait quoi d'être ici pour cette intervention ? Eh bien écoutez, en fait on a été demandé par la brigade motorisée des gendarmes de Cambrai afin de participer à un exercice de désincarcération dans le cadre des journées de la sécurité intérieure, afin de sensibiliser notamment les jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui, les jeunes collégiens, aux dangers de la route, aux dangers des scooters et aussi de la conduite sans ceinture et des effets de conduite avec le téléphone au volant par exemple. Donc on répond toujours favorablement à ce type d'intervention parce que c'est aussi notre rôle de faire de la prévention et les désincarcérations qu'on fait devant du public, on le sait, ont toujours un impact fort parce que les opérations de désincarcération sont impressionnantes et les gens sont impressionnés par ce type de manœuvre. Alors au sein de Caudry, puisque vous êtes responsable du centre de secours de Caudry, vous effectuez combien d'interventions ? Alors on effectue annuellement 3500 interventions en moyenne, principalement du secours à personne, que ce soit sur la voie publique ou à domicile. On fait environ 5 à 10% d'incendies sur les 3500 et environ 2 à 3% d'accidents de la circulation. Voilà. Si on veut faire partie, si on veut être sapeur-pompier, ça se commence ? Alors, l'organisation de la sécurité civile en France fait qu'on a des pompiers professionnels, dont c'est le métier, qui sont pompiers professionnels après avoir passé un concours et suivi une formation d'intégration. Et ensuite, on recrute également des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, pour ce faire, j'invite les gens qui sont intéressés à se rendre au centre de secours pour y déposer un CV et une lettre de motivation qu'on étudiera afin d'éventuellement recruter, parce qu'on a toujours besoin de pompiers volontaires, oui, tout à fait. Vous avez repris la caserne il n'y a pas très très longtemps. Ça vous fait quoi de venir ici en Sainte-Caudry ? Alors, le centre de secours de Caudry, j'y suis arrivé le 1er décembre et bon, ça a été un réel plaisir puisque c'est une caserne qui vit bien, je le savais, dont les locaux sont parfaitement adaptés à l'activité des sapeurs-pompiers. Et je connaissais également l'environnement, le secteur, puisque je suis cambrésien à la base et donc j'ai pas été surpris en arrivant ici. Ce sont des hommes qui travaillent très bien, des locaux adaptés comme je vous l'ai dit, donc vraiment que du plaisir. On répondra de toute façon toujours favorablement, même si on a des contraintes, on a des contraintes en termes de personnel. Aujourd'hui, on a dû détacher du personnel pour faire la manœuvre, puisque s'il y avait eu une grosse intervention, tout le monde serait parti, il n'y aurait pas eu de manœuvre. Donc ça a quand même un impact en termes de personnel, de coûts, et donc on ne peut pas forcément réitérer ce genre d'opération toutes les semaines. Mais les journées de la sécurité intérieure, comme aujourd'hui, sont le bon moment pour le faire. Alors est-ce que demain on vous retrouvera aussi pour ces manœuvres aussi ? Tout à fait, demain on sera présent à la même heure, donc à 15h, pour réitérer exactement le même scénario. Eh bien merci d'avoir répondu. Merci à vous. Alors voilà, là nous sommes en train d'effectuer avec le directeur de Leclerc. Alors, quoi consiste ce parcours ? Alors là, monsieur a des lunettes qui représentent un peu quand on est alcoolisé, donc les effets qu'il peut y avoir au niveau de la vision.
Donc il essaye de faire un parcours en slalomant les plots, passer au-dessus de la barre, et il doit récupérer la balle pour la mettre dans un autre plot. Donc là, on est en train de voir justement le directeur du Leclerc Caudry en train d'effectuer ce parcours. Alors, monsieur Gaillard, ça fait quoi D'avoir vu Bah, ça fait qu'on prend conscience des difficultés qu'on peut avoir quand on consomme de l'alcool. Et là, c'est vrai que c'est des tests. Et encore, il paraît que j'ai pris la moins forte comme lunette. Alors, la plus forte, je me demande comment ça doit faire. Donc, voilà, on essaye, on teste. Et puis, on essaie d'avancer. Alors, pourquoi aujourd'hui, sur votre Perkin, il y a tant de gendarmes et des pompiers? Alors justement, on s'était rencontrés il y a à peu près un mois et donc j'avais vu des gens de la gendarmerie qui m'avaient demandé si on pouvait sur le parking, étant donné qu'il y a pas mal de place et que les accès étaient sympas le long de la route, de faire des crash tests, etc. Sur mon parking. Donc j'avais dit bah oui, bien sûr, sans aucun problème, puisqu'on est là pour se rendre service et puis montrer à toutes les personnes de Caudry le métier de la gendarmerie et puis des pompiers. Donc on a mis ces deux jours, ce week-end en place pour pouvoir montrer à tous les gens de Caudry et aux alentours, et puis surtout à tous les élèves, parce que je crois qu'il y avait plus de 200 élèves aujourd'hui, donc leur montrer ce qui peut arriver quand on conduit bourré ou quand on peut faire des crashs ou quoi que ce soit, les dégâts que ça pouvait causer, et tout du moins le voir au bord de la route sans avoir le blessé, quoi. C'est surtout ça qui était important. Donc ça nous a permis de montrer tout ça, il y a encore du monde là, le temps était avec nous, donc ça c'est super. Et puis on profite de les rencontrer, on discute avec eux, on voit qu'il y a des maîtres chiens aussi, on a eu la chance d'avoir un hélicoptère qui s'est posé tout à l'heure. Donc ça nous permet de voir tout ce monde qui d'habitude on les voit au bord de la route en les craignant. Donc là ça fait un rassemblement, c'est sympa, et les pompiers comme d'habitude sont toujours présents avec nous et nous montrent toutes les capacités qu'ils peuvent avoir. Alors on pourra encore voir justement demain encore ces manœuvres. Oui, alors demain c'est surtout pour la clientèle, il n'y aura pas les élèves, donc il y aura certainement un petit peu moins de monde, mais au moins ça va nous permettre d'accéder un peu plus près. Et demain, ils recommencent la même chose, on refait la même chose. Bah, là ils sont en train de tirer à blanc j'espère que c'est pas un attentat. Ils sont en train de tirer, c'est le GIGN je crois, c'est ça? Non, je ne sais plus, c'est le RAID, je crois qu'ils sont en train de faire des essais. Donc demain, même chose, même heure, dans l'après-midi, pour tous les clients et tous ceux qui veulent venir y participer. D'autres nouveautés? Alors il y a des choses qui doivent arriver, oui. Pour l'instant c'est un peu trop tôt pour en parler, on en reparlera plutôt en début d'année. Sur cette fin d'année, on a bien sûr notre magasin de jouets qui va accueillir le catalogue jouets là, qui va démarrer la semaine prochaine. Et puis sinon on va y faire des nouvelles boutiques, je vous en dirai plus en début d'année prochaine. Pour l'instant. D'accord, on a vu que les travaux commençaient justement pour la galerie, elle va s'agrandir. Oui, la galerie va s'agrandir, on va faire venir de nouveaux commerces qui nous manquaient sur la zone, sans détériorer le centre-ville, c'est en partenariat avec eux, on essaye de communiquer. Et donc ça devrait, je pense, sortir de terre d'ici, les travaux sont sortis de terre, mais on devrait avoir tout terminé, on l'espère, fin novembre, enfin au tout moins mi-novembre, pour que ce soit effectif pour le mois de décembre. Donc on se donne rendez-vous au mois de janvier pour en parler justement des nouveautés qu'il va y avoir pour 2019. Pas de souci, sans problème. Merci. Eh bien merci d'être partenaire aussi à Caudry Vision. Merci à vous. Eh bien voilà, chers amis de Caudry Vision, on va se quitter là-dessus avec le départ de l'hélicoptère de la gendarmerie qui va prendre le départ dans quelques minutes. Allez, madame, on monte. Allez, on monte. Allez, on monte.
Voilà le survol, le départ, l'écureuil de la gendarmerie qui prend le départ justement. Vous voyez ça sur en direct sur Code Révision. Voilà. Voilà, on vous fait découvrir bien ce décollage dans quelques minutes maintenant. Avec un grand merci à Isabelle Théry, Nathalie qui était présent pour cet événement ici à Caudry. Un grand merci à Antoine Grière pour vous avoir pris ces images. Et voilà, vous voyez l'hélicoptère prendre le départ. Voilà qui est fait. Et je peux vous dire que eh bien, il y a beaucoup de vent. Voilà, il nous fait signe, on voit en plus. Voilà, c'est parti. Voilà le départ de l'hélicoptère de la gendarmerie, où vous ne le retrouverez pas demain ici. Bien sûr, vous ne le retrouverez pas demain ici au centre de Leclerc de Caudry. On vous rappelle que demain, à partir de 10h jusqu'à 18h, eh bien, vous pourrez revoir eh bien, toutes ces manifestations, tous ces reportages ici. Vous pourrez revoir, il sera demain à partir de 10h jusqu'à 18h ici sur le parking de Leclerc de Caudry. Voilà, l'hélicoptère repart. Et bien voilà, on va se quitter sur ces images. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres reportages sur coderevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. On vous dit au revoir, à très très vite et à très bientôt.